Salut à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Versus Fighting TV consacré à la version PC de The King of Fighters 13. Alors oui, nous avons reçu des clés pour tester la version qui est actuellement en phase de bêta test et notamment son mode online que tous les joueurs attendent. Alors avant même de revenir là-dessus, nous allons dans cette première vidéo faire un petit tour dans les menus et options du jeu afin que tout le monde sache à quoi s'attendre. Allez, c'est parti! Alors à première vue, comme on peut le voir, ça ressemble trait pour trait à la version console hein, du jeu, avec un mode tutoriel, un mode entraînement, un mode internet, des replays. D'ailleurs, je sais même pas si dans les versions console il y a le mode replay, je ne m'en souviens pas. Le mode mission qu'on peut voir juste au-dessus, le mode customisation hein, pour ses couleurs, tout ça. Les infos personnelles du joueur et les options. Voilà, donc ça ressemble énormément à la version console. D'ailleurs, ça a été annoncé par les développeurs que cette version PC est un mix entre l'arcade et la version console de salon. Donc les menus console de salon et le jeu arcade. Comme ça, tout le monde il est content, que ce soit les développeurs arcade ou les joueurs console. Il en fallait pour satisfaire tout le monde. Donc, on va faire un petit tour immédiatement dans les options. Chose qui intéresse pas mal de personnes et de joueurs. Car effectivement, les joueurs n'ont pas forcément tous un très gros PC. Et c'est pour ça que justement, SNK, Playmore, a mis quelques options pour aider justement ces joueurs qui n'ont pas forcément une grosse bécane. Pour pouvoir doser le jeu à la fois sur le net et à la maison. Donc les options du jeu de base. Comme on peut le voir, ça ressemble énormément à la version console, hein. Enfin, c'est la même chose, hein. De toute façon, hein, le mode de difficulté, les rounds et le temps de jeu pour chaque round. Le système, pareil, avec 9 langues, hein. Chinois, coréen, mandarin, tout ça. Il y a même le français. Hein. Regardez, voilà. Des vibrations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, je suis avec mon stick arcade Mad Cat Street Cross Tekken EVS Edition Fight Stick. Et donc il est automatiquement reconnu, hein. Les options, il n'y a rien à faire, ça marche immédiatement, du plug and play, c'est parfait. Les options graphiques, alors voilà, c'est là que ça devient intéressant. On a la fréquence d'image fixe ou variable, à savoir qu'il est conseillé de jouer en fixe, comme ça nous avons un framerate qui est fixe, hein, donc qui ne bouge pas selon les performances du PC. Donc par exemple, je sais pas, vous recevez une mise à jour de Norton antivirus et tout d'un coup votre PC demande beaucoup de ressources. Le fait d'avoir variable, ça va justement descendre votre framerate, mais continuer à jouer. Alors que fixe, malgré tout, de base vous n'allez pas être forcément à 60 images par seconde selon votre ordinateur. Mais quelles que soient les performances qu'il y a en parallèle avec votre PC, eh ben, le jeu continuera à tourner toujours de la même façon. Donc pour mon cas, il est conseillé de mettre fixe, vaut mieux, parce que si c'est pour avoir des mêmes soucis que pour Street Fighter 4 sur PS3, où justement le jeu entre guillemets est en fréquence d'image variable, faut le dire, du coup il suffit que la console ait un sursaut d'humeur et les frames descendent, la fréquence d'image descende, et même si c'est une frame par-ci par-là, ça peut beaucoup jouer dans un combo. Ensuite l'arrière-plan. Si votre backhand, pareil, ne tient pas la route, vous pouvez très bien mettre statique, qui vous permet voilà, d'avoir les décors qui sont fixes. Mais vraiment fixes, hein. Faut pas. Voilà, c'est un mode vraiment. En mode crados, hein. C'est-à-dire que. Il y a par exemple le stage où il y a les feux d'artifice. Et ben, les feux d'artifice sont fixes dans les airs. C'est pas un stage qui a été. Adapté pour qu'il soit fixe et potable. Non, on s'en fout, c'est un décor, c'est un wallpaper, un fond d'écran, et juste pour jouer. Donc voilà. Ensuite, l'affichage fenêtré et plein d'écran. Là, je suis actuellement fenêtré justement pour pouvoir vous enregistrer tout cela et avoir la mainmise un peu sur tout ce qui bouge sur mon ordinateur. Et voilà, donc pour ceux qui veulent streamer, chose qui est très, très sympa, c'est que le jeu est automatiquement reconnu par Steam. Il suffit d'aller sur ajouter, jeu. Et The King of Fighters 13 sera automatiquement reconnu. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ça évite de faire des captures de région, capturer son bureau et avoir quelques soucis ou quelques bugs. Donc voilà. Donc là, on va rester en statique pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Je reste en fenêtré, bien sûr. Et voilà. Donc ensuite, l'audio. Ça ne change pas de la version console, hein. Vous avez les musiques, les voix, les bruitages. Le chat vocal, pardon, qui a été ajouté, justement.
Je me souviens que dans la version console, il n'y avait que volume, bruitage, voix, ambiance et musique. Donc là, le volume du chat vocal, normal, c'est une version PC. Et donc, il faut pouvoir maîtriser un peu, régler le volume des conversations audio. La configuration, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez, automatiquement reconnu, ma manette, enfin mon stick arcade Xbox 360, avec les boutons qui sont attribués d'origine. Donc le travail a été fait, hein, n'y a pas besoin d'avoir des configs A, B, C ou D. Donc j'imagine que ceux par exemple qui ont des stick arcade Ori, peut-être que ce sera reconnu également. En tout cas, c'est un joli travail, ça évite d'aller dans les options x1000. Et le classement, ben, façon arcade, hein, vous jouez en solo, vous avez votre score qui apparaît. Voilà, donc ça c'était pour les options du jeu, vous voyez, hein, rien de bien d'extraordinaire, hormis les options graphiques qui peuvent être intéressantes. Ensuite, on fait rapidement un tour dans les menus du mode online, je précise bien dans les menus. Donc voilà, classement, matchmaking d'amis, et puis matchmaking selon classement. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. On peut voir le classement des joueurs qui dosent actuellement. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs. C'est un classement des 60 premiers joueurs, hein, faut le préciser. Donc voilà, il y a un peu tous les joueurs, il y a même Tarma. Donc moi je suis classé 27ème avec 600 points. Oui, j'ai fait un peu de classement, ça c'est... Je vous donnerai mes avis après. Il y a le directeur de... Enfin, celui qui s'occupe du projet Y2 qui dose également le classement pour tester. Et voilà. Il y a même Juice Box. Donc il y a du monde. Donc en termes des au niveau des options, rien ne change, hein, partie créée en entraînement, en arcade, partie personnalisée, partie rapide. Jusque là, voilà, ça reste le standard, hein, il n'y a pas d'ajout, hein. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble énormément à ce qu'il y a sur console. Donc voilà, après les replays. A savoir que lorsque vous jouez sur le net, vous pouvez enregistrer tous vos matchs. On vous propose à la fin de chaque match de les enregistrer et ensuite ils seront stockés ici. Ça peut être assez intéressant si vous faites de beaux matchs sans lag. Alors ensuite, je vais vous montrer un peu ces ambiances statiques au niveau du décor en allant faire un tour sur le mode entraînement. Donc, aussi, il faut préciser que les personnages DLC sont automatiquement inclus. Donc là, par exemple, avec le stick arcade, il suffit d'appuyer sur le bouton LB pour pouvoir activer justement les versions X des persos. Donc comme vous pouvez le voir, pardon, il y a Kyo en X, il y a Iori en X et Takuma Karate. Mais par contre, Billy Kane et Saiki sont à débloquer en arcade, hein, en mode standard. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une DLC plus tard payante pour les débloquer immédiatement comme sur console. Alors, on va rapidement vous montrer les décors en statique. Génial. Les décors en statique, ouais. Allez, on va changer de stage. J'aurais dû vous choisir un stage, ça aurait été plus rapide. Allez. Alors, à savoir que niveau input lag, entre nous, enfin, pour moi c'est parfait, quoi, hein. J'ai un écran IAMA ProLite E227-3 HDS. Les écrans qui ont... Ils font partie des écrans qui ont le moins de lag. Moins d'input lag, pardon. Et honnêtement, pour moi, c'est nickel chrome, hein. Que ce soit en fenêtré ou en plein écran, c'est juste parfait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, regardez les décors, c'est complètement fixe. Pourtant, si vous entendez, il y a également les bruits d'ambiance. C'est assez marrant. Je vais vous monter un peu le son.
Donc voilà, il y a vraiment le goût d'ambiance qui reste malgré tout. Et voilà, donc après, le jeu tourne très bien. Il n'y a pas de soucis. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun problème au niveau input lag. On peut le voir, les combos se font assez naturellement. Donc voilà, pour moi, là je suis en mode fenêtré et honnêtement, voilà, il n'y a pas de. Y a pas de soucis. Après, je suis pas un joueur ultra expérimenté. Mais je fais partie de ces joueurs qui sont assez assez pointilleux sur les frames. Mais là pour moi, voilà quoi, il n'y a aucun problème. On va même pouvoir essayer de tester le confirme. Alors on va mettre le mode. Les super en infini là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et voilà. Donc, à savoir qu'on va essayer, de confirmer ça avec le gros point. Donc, 3 hits. Est-ce que c'est 3 hits? C'est 3 hits, ok. Ouais, et ben, moi perso, j'y arrive pas. On va essayer avec un autre personnage, ce sera plus simple. Pour vraiment voir s'il n'y a pas d'input lag. Pas un truc classique, on va prendre Ryo. Comme ça. On aura le cœur net. Donc pour ceux qui connaissent pas très bien le jeu, Ryo a des confirmes dans le jeu, un peu comme Chun-Li dans Street Fighter 3. C'est assez sympathique lorsqu'on fait des décalages et lorsqu'on possède deux barres de super. Avec le gros pied ou avec le avant petit point. Voilà, ça passe. Ça passe amplement. Pareil. Pour moi là, il n'y a pas d'input lag, je suis en fenêtré. Pas de soucis. Donc voilà, le menu entraînement, ça reste le menu entraînement, bien sûr. Et voilà, donc pour cette version bêta, évidemment, comme vous avez pu le remarquer, les menus sautent lorsque je vais sur Versus ou Arcade. Ça passe de tutoriel à entraînement. Donc il est malheureusement impossible de jouer en Versus. Mais il est possible de faire un peu d'entraînement. Donc voilà. Je reviens vers vous très rapidement avec une nouvelle vidéo qui vous montrera en détail le mode online. Également mes impressions sur le moment. Mais ce que je peux vous dire pour terminer cette vidéo, c'est qu'hier nous avons testé le online avec, avec l'équipe de VSF TV ou encore nos amis de MaxMod. Et pour mon cas, on commençait à jouer. Jusque là en mode online, pas de soucis, les 10 premières secondes tout allait bien. Et plus le match avançait, et plus on ressentait du lag. Quand je dis du lag, c'est-à-dire que l'input lag. Lorsque je bougeais mon personnage, il y avait un temps de réaction qui était approximativement de 1 seconde quand même. Et pour arriver jusqu'à la fin du match où c'était complètement injouable, je comptais plus. Donc voilà. Pour certains, comme Pharaon de MaxMod, c'était potable, c'était même stable, entre guillemets. Mais pour mon cas, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, apparemment, il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite. Nous allons tester ça tout à l'heure, voir s'il y a eu des progrès. Et je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo, avec justement mes impressions à chaud
sur le online. Donc vous me verrez en train de me faire sacrifier sur le net. Ou pas, hein. Peut-être que le mode online tiendra la route aujourd'hui. Allez savoir. Mais en tout cas, je vous tiens au courant. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le 22 août 2013, sur vsftv.com, nous allons vous offrir une clé pour tester la bêta. Alors restez à l'affût, restez sur la page Facebook, sur le Twitter ou sur le site. Ça peut venir des trois côtés, ça peut venir à n'importe quel moment. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir un heureux. Allez, je vous dis à plus tard et passez une très bonne journée, bande de sacs. Salut !